Et bien le bonjour, bien le bonjour, bien le bonsoir à toutes et à tous. Et merci à Jakey Vassand qui vient de prendre son 13e mois, donc 4 mois consécutifs. Et bien bonsoir Jake. Bonne chasse aux dinos et aux cyborgs. Et ouais. Bon, je pense qu'on va faire plus de deux streams hein, sur le jeu. Parce que la dernière fois on n'a pas beaucoup avancé, hein. Je fais plutôt des quêtes secondaires. Mais bon, au moins ça me permet de profiter du jeu, c'est pas mal. Ça fait des souvenirs, ça fait très longtemps que j'y ai joué. Hop, du coup je vais vous afficher le jeu tout de suite, bon, ça c'est parti. Et hop là, alors attendez, il faut que je mette ça là, sinon je ne verrai pas l'écran. Hop, du coup, notre petit Far Cry Blood Dragon. C'était bien celui-ci. Allez, prends cette sauvegarde-là. Alors, on avait fait, je crois, les trois premières quêtes secondaires, enfin les trois premières quêtes principales de mémoire, où on a dû détruire des œufs de dragon. Ah, attendez. La sensibilité s'est remise à zéro, et ça, c'est embêtant. Vraiment, je vais le mettre à dos. Hop. Allez, bon, ben ça va. Voilà. Alors, on en était où? Objectif de mission, rejoignez une garnison. Donc, on avait déjà débloqué 4 garnisons en notre faveur. On avait fait leur quête secondaire pour améliorer nos armes. Et du coup, c'est parti pour la quête principale. Donc, toujours un Far Cry Blood Dragon dans l'univers un peu futuriste. À la trône avec une bonne dose de gun et Doc, de j'approche des coordonnées. beaufitude. Écoutez, un homme, le docteur Carlyle, Allez. aide Sloan à fabriquer des armes biologiques tout en sachant qu'il ne devrait pas. Y a Oh, quoi là-dedans? Rex, je ne sais pas Y a rien. Vous le voulez mort? Oui. Assassinat? Oui. Pas de problème. Je ouais. sais que c'est une chose terrible à faire. Alors, c'est nos boulot. pépères. Ok. Le docteur Carlyle est au centre Jacquemin, un complexe d'armes biologiques situé sur une île proche. Il y a un Hop, poste déjà de sécurité deux morts. Situé sur la crête qui surplombe le détroit. Ils ont un deltaplane là-bas. Prenez-le. Objectif, sécuriser le deltaplane. Ah, c'est vrai. Faut que je me remette des touches parce que j'étais. Il est mort? Voilà, il est pas mort. Lui. J'ai joué aujourd'hui au jeu. Qui s'appelle Tiny Tina et la fin et Tiny Tina Wonderland. Je sais pas c'est quoi le nom français, mais en tout cas, le dernier. Oh là là, faire du deltaplane, le dernier Borderlands. Du coup, j'ai plus l'habitude des contrôles, c'est pas les mêmes. Allez, c'est parti pour du deltaplane! C'est parti! Alors, QD pour incliner le deltaplane. Tiens, j'avais à gauche ou vers la droite. Ok. Et Doc, il faut vous avez aller parlé là-bas. d'armes biologiques. On essayait de battre les Russes. On espérait que le sang de dragon pourrait regonfler nos forces armées. Oui, c'est vrai, parce que nous ensuite, sommes dans un univers où la les guerre froide a continué longtemps, un peu Laissez-moi comme deviner, vous avez dans essayé de Fallout. convaincre Sloan de l'utiliser. Sauf que là, le Canada a été détruit. Contre les communistes. Contre tout le monde, Rex. Je crois qu'il Allez. reste. Et il est aidé par le docteur Carlyle. Je l'arrêterai et je mettrai fin à son opération, Doc. Il faut Personne que ne je menace ma planète. Hop, allez. Avertissement. Oh non, des snipers! Et on slalom. Et c'est parti. Bon. Alors, toi. Voilà, je suis à sensibilité de ouf et nul. Allez, meurs! Ah, je vais crever, non mais sérieux! Bon, toi déjà, je peux te tuer. Ah, je suis là, tu prends 0 balle. C'est bon, là. C'est bon, meurs! Il est pas mort non plus, lui! Ah, la vache! Ceci s'éclate. Ah non, il leur faut des balles, hein. Que je puisse le buter aussi. On bute tout le monde, hein. Attendez.
Non, je vais pas prendre le snipe. Alors, en plus, ça c'est parti, c'est pratique, c'est que. Hop, toi t'es mort, tu m'embêteras pas. Bouge pas non plus. Hop, c'est parti. Donc, bien sûr, on gagne des niveaux à chaque fois, hein, comme dans tous les jeux. Oh, vous l'avez vu lui, regardez. Un cyber-crocodile. Pour prendre le ski. Allez. Du coup, on va infiltrer la base pour aller tuer le Dr. Carlyle. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Du coup, à chaque fois, on gagne des niveaux, c'est ça qui est pas mal. Et les niveaux nous donnent des grosses améliorations. C'est pratique. Par contre, les bases où il n'y a rien du tout, ils auraient pu éviter. Bon, allez, on va nager, parce qu'on est un cyber soldat de type 4. Il doit y avoir un truc. Ah, c'est vrai pour les tuer, il faut faire les touches de déplacement, c'est vrai, il faut pas appuyer sur F. Ça, ah, tu m'embêteras pas. Allez, une delta plane encore. Une delta plane. Allez, c'est parti. Oh oui, carrément. Ah, eux, ils sont embêtants parce qu'ils tirent des lasers. Allez. Voler jusqu'à l'île. On va aller par là. Voilà, okay. C'est pas mal. Il nous fait... Rendez-vous au poste de sécurité pour ouvrir les portes arrière du complexe. Le code est 653-9X. Objectif, pénétrer par là. Voilà. Et en plus, quand je les tue, je récupère automatiquement les armures. C'est parfait. Alors, des munitions en plus. On va consommable. Ah oui, bah attendez, je vais me soigner du coup. Votre attention, s'il vous plaît. La dernière série de grenades est défaillante et ne s'amorcera pas si vous ne prononcez pas le code grenade lance. D'accord, donc là, en gros, elle vient de tuer tout le monde. Ne s'amorcera pas tant que. Voilà. On entend les explosions là, derrière. Votre attention, j'ai diffusé par inadvertance le code d'avance de vos grenades sur l'interphone et déclenché l'explosion de plusieurs grenades. Je tiens à m'excuser auprès de ceux que j'ai accidentellement mutilés et ou tués. Ah, d'accord. Il s'est fait boulot par les nœuds. Votre attention, les grenades répondent également au code d'amorce. Prends ça. Elle est en train de tuer tout le monde, cette débile. Et j'étais en train de huile. Elle tue tout le monde, cette mobile. C'est bon. Quand même. Toi par contre, je vais te défoncer. Boum, même tête. Allez, hop. Récupérons nos munitions. Et des cœurs, même si ça sert à rien. T'es mort maintenant. Mortel. Je vais mettre en dessous. Oh oui, des munitions. Alors, hop. Jusqu'à l'entrée du laboratoire. Du heal. Et du coup, c'est parti. Du coup,
coup après il faut que j'aurais dû faire les points avant. Bon, je fais les points secondaires après. À presque n'importe quelle chute. Presque. Oh merde! Presque. Donc c'est bon, on est. Doc, j'y suis. Le docteur on est vivant. Il dirige le projet d'aérosolisation du sang pour les roquettes. Alors munitions, hop. C'est vrai que quand je développe. J'avais zappé, mais quand je développe des. Vous en faites pas, Doc. Comment ça s'appelle? Des points, je peux avoir des remises sur les munitions. Objectif. Éliminer le docteur Carlyle. Je suis un boss. Bienvenue, sergent Rex Power Colt. Dans votre dernier jour sur Terre, libérez l'homme Kraken. L'homme Kraken, quoi? L'homme Kraken est en phase finale d'achèvement. Saloperie de hardware 8 bits, bon, rien! Action, exaçante! Ah, c'est vrai qu'il me fait un feu, lui. Alors, Ah non, c'est vrai, c'est G, non? Attrape! Ah non, c'est pas F. C'est quoi déjà? Ah, c'est T. Non, Y, c'est le. Je sais plus c'est quoi les touches de grenade. Alors les ennemis en sont. Une porte qui s'ouvre toute seule. J'adore 2007. Il y aura une caisse à prendre ici. Allez, on va se mettre en mode. Signe anti-vie détecté. Tirer dessus pourrait peut-être constituer une distraction. À moins que ça ne se retourne contre vous. Dans tous les cas, bonne chance. Et pouf dans ta tête! Parlez la poudre! Oh là, les zombies maintenant! Ah bah non, on va plus jouer. D'accord, donc quand tu fais plusieurs fois la touche d'attaque au corps à corps, il fait des doigts. C'est très pratique tout ça. On va se soigner, mais ceci donne ça, c'est qu'il va y avoir un boss sûrement. C'est vrai qu'il faut des sous. Toudoum. C'est bien, c'est que quand je les tue, hop, ça me donne un nouveau niveau, c'est cool. Bien sûr, le signe est à l'heure, hein. Réparation basique expert. Ah oui, c'est bien ça. En gros, quand je vais. Quand je me réparerai et que je n'aurai plus de nanomède, ça va me réparer 4 barres de vie au lieu de 3. Donc c'est pratique. Désactiver les alarmes, comme ça ils m'embêtent plus. Je devrais demander une augmentation, mais je ne pas. Ouais, demande une augmentation à ton syndic. Paf! Surprise! Alors, du coup, maintenant il faut tuer Carlyle. Ils sont tous morts. Oula. Hop. Je y réfléchis parce que j'ai un petit freeze. Alors, Carlyle, il est où? Voilà, il n'y a personne. Allez, on avance. Rex, que quelqu'un lui tire dans la tête. Oh non! Oh non! La bagarre! Ils sont résistants, les mecs! Oh
Oh, tu t'étires dans la tête, ça donne plus d'XP. Oh, c'est pas grave, c'est des drones. Attendez pendant que j'ouvre cette porte, Rex. Allez-y, docteur. Bon, ils ont pas l'air de vouloir. Attendez. Ah, mais ils sont bons. Ils font quoi? Il y avait pas un flammeur? Si. Ah si, il est blanc. Hop. Frag explosif. Maintenant... voilà, le flammeur, il est là-bas. Hop. Ah bah non, il n'y a plus de flammeur maintenant. Ce petit doigt est allé à la mort. Ah, j'ai plus de munitions, sérieux? Ouvre la porte. Mince. Bon, et ben c'est parti les mecs. Hop. Hop. Ils sont en bas. J'ai le temps de chaparder. C'est pas mal. Toujours plein. De la porte immédiate. Objectif. Prenez la porte. Allez. Surtout que sans CP. Bon. Y'a pas de munitions ici. Ah bah c'était où j'étais tout à l'heure. Faut vraiment que je trouve les améliorations rapides. Ah bah c'est vrai, il est là lui. Faisons plein de munitions. Hop. On va se heal. C'est pratique et on va prendre un gilet pare-balles. C'est toujours pratique. Faites attention, sergent. Ouais, donc faut être tous les. À moins qu'ils tirent sur les conteneurs et qu'ils dirigent vos morts filants sur l'Oméga Force. Ils s'attaquent généralement à tout le monde. Pourquoi vous lui avez dit ça? Voilà, allez les mecs! Vous n'aurez peut-être pas d'XP, mais bon. Objectif. Prenez la porte. Espèce de crétin! Vous croyez vraiment que me tuer résoudra tout? Le projet est complètement ouais, c'est un flammeur. Activé désormais. L'autre qui pose assez de sang, l'aérosol et de roquettes pour contaminer le monde entier! Tac. Sloan a réuni tout ce qu'il lui faut pour lancer les roquettes. Je vais vous chercher avec un hélico. Je bricolerai moins quand mon homme Kraken sera opérationnel. Ouais, c'est... Là, c'est vraiment les années 80. Datant de l'année dernière, sergent Cole. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ils donnent pas d'XP, eux. Non. Toi qui m'embête, ça. Là. Comment tes grenades? Paf! Paf! Allez, maintenant donnez-moi vos sous. Je regarde les touches parce que j'ai envie de balancer des grenades, mais je sais plus comment on fait. Alors attendez, je suis level 17. 100 nanomètres, maintenir 1, d'accord. Et gagner une barre de santé en plus, ok. Les touches. Contrôle personnalisé, lancer grenade. Ah, c'est vrai, c'est la molette. Ah non, c'est pas A. Ça c'est le D.
que j'ai fait. Pour le personnaliser. Lancer une grenade molette. VG. Ah oui, c'est vrai. C'est l'heure du goûter. C'est molette du milieu. Alors, allez. On mange au chaud, vous. C'était une mission de... J'adore ces conneries. Moi, je n'ai pas un succès sur Uplay. Oh, j'avais pas vu. Alors, l'homme Kraken, on va le défoncer ou pas? Voilà. Il est la place du mort. Nous, on est badass. Les scientifiques ont résisté. Ceux qui n'étaient pas avec Carlyle, oui. J'ai un coup de pompe. Énorme blague! Allez, hop. Il n'y a pas chargé à fond. Vous n'êtes qu'un cyber-rat, prisonnier de mon cyber-piège. Ouais, c'est bien. Donne-moi mes munitions, s'il te plaît. Merci. Donc là, il va y avoir deux dragons. Ascenseur gravitationnel détecté. Il peut inverser la pesanteur pour vous projeter en l'air. Wouhou ! Scientifique. Et là... Votre heure est arrivée. C'est la bagarre. Sergent Rex Power Colt. Est-ce que l'homme Kraken est prêt ? Libérez l'homme Kraken. Impossible d'obtempérer. Le mécanisme des portes du laboratoire est défaillé. Vraiment nul. Je repère un point faible dans le sternum du dragon de sang. Oui, je sais, moi aussi. Visez la lueur sur sa poitrine. N'oubliez pas, Rex. Accroupissez-vous et faites-le plein de cybercœur. Bon ça, petit dragon. Ne détourne pas l'attention des dragons de sang avec des cybercœurs. Ils le grilleront vivant. Allez. Votre micro est allumé. Bordel! Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Bon, allez, on va se soigner. Ça va être chaud. Oh, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Allez, 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 allez mec. Régale-toi. Ah, mais c'est vrai, j'ai les munitions. Voilà. Allez, allez. Ensuite, des mines. Ah, je suis mort. Mais ouais, mais les mecs, ils sautent sur mes mines aussi. Ah, j'aurais dû prendre... Bah oui, non, je suis bête. Sergent Colt, mais la chance a tendance à tourner.
Vous m'avez beaucoup amusé, sergent Colt. Mais je crains que ce ne soit la fin pour vous. Vous, les types 4, vous n'avez aucun panache. Je pourrais m'amuser à vous tourner autour. Bien, mange. Les troupes vous donneraient-elles du fil à retordre, sergent Colt? Voilà pour toi. Allez, adieu. Allez, on y va, on est bientôt fini. Attrape. Attrape, mon grand. Voilà pour toi. Hop, allez, ça tu vas te faire bouffer. Allez. Voilà. Oula, 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 oula. Oh non, non, faut pas que je meure. Allez, allez, allez. C'est bon. Maintenant, je vais vous défoncer. Allez. Hop, c'est bon. 5000 XP, ah oui, quand même. Je vends le mode automatique. Il est où le chien? Donnez-moi des munitions. En tout, je récupère tous mes cybercœurs que j'ai perdus, comme ça donne de l'argent aussi, je crois. Parce que mes cybercœurs, parce que... Alors, on va suivre, du coup. Hop. Réparons notre main. Bon travail, Rex. Quand vous preniez feu, criez à votre personne. Ah. C'est un niveau. Ah non. Ah non, c'était juste une... D'accord. Rex, vous êtes là? Ah bah je suis retourné. Ah, si oui, c'est ça, j'ai gagné un niveau. Ouais, ouais, parce que le doc est amoureux de nous. Alors appuyez sur R pour recharger rapidement n'importe quel pistolet, fusil sniper en visant avec gagner une barre de santé. Poussez-le en appuyant sur 1 pour lui chaque mission. Oh, c'est pas mal ça. Gagner une barre de santé en plus, diminuer les dégâts. Puis c'est moins de dégâts des attaques d'animaux qui me les risques. Voilà le plus sensible. Et. Oh, dommage ça. Un bon soldat comme vous. Nouvelle compétence chargeur à lunettes. Oh. Ça, je veux. Donc ça doit être. Ah non, c'est. Dans lequel. Alors, là il y a ces coordonnées là. Alors, par contre, avant, je vais aller faire les garnisons parce que ça va me donner des quêtes pour les améliorations. Il est où? Ah, bah la mission, c'est bon. Du coup, ça va me permettre d'avoir des améliorations et puis c'est pratique. Ok, le fléau, on le fera après. On prend pas de dégâts de chute. On va essayer de faire un plus de garnison pour avoir les quêtes secondaires. Voilà. Un peu de véhicule. Scan en cours. Nouvel objectif. Localiser. Éliminer tous les ennemis. C'est comme si c'était fait. Ah.
Et chaud. Mince. On a l'air même. Faut vraiment que je débloque le truc laser. Voilà, ils sont morts. Hop, il n'en reste plus qu'un. Deux, ils sont à côté. Là, toi t'es mort. C'est bon. Soignons-nous, 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 soignons-nous. Sérieusement? Allez, recharge. Alors, toi t'es mort. Toi t'es mort, j'ai dit. On fait le tour. Ah, c'est bien, je chope des mots. Paf. Voilà, il en reste plus qu'un. Voilà, il est pas mort. Il est mort. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a débloqué comme quête? Il me faut les améliorations du phaser, toi. Alors, quête d'élimination. Canon léger, c'est parfait. Quelqu'un se fout de ma gueule. Allez, méchant tigre. Allons tuer des tigres. L'endroit indiqué, des nouveaux accessoires de 4 sont disponibles. Alors. Oh! Non. Alors. Et du coup, je veux. Donc il faut tuer le tigre rare avec l'arc. C'est pas lui. Déjà. Chasse. Alors. Bonjour monsieur. C'est pas lui. Un genre de radar, il me sert à rien. Ah, c'est le petit, je pense. Dommage. On va le tuer quand même. On va le tuer à l'arc, quoi. C'est mon chien. La base, là-bas. On va aller loin. Ouais, non, ça va. Déjà... Pas fou, je prends pas de dégâts de chute. Par contre, je vais me heal quand même. Allez. 5 XP. Il y a des copains là-bas.
Hop, un but de copain là-bas. Un but de copain là-bas non plus. Bon, ça donne pas plus... ça donne que 100 XP. Ah oui, c'est vrai. Bah, ah, yes. Oh, le méchant, il a pas pris mon truc. On peut voir la ville qui est dévastée là-bas. Le dragon, on va pas le tuer. Je vois qu'ils ont un hélicoptère. Scan en cours. Nouvel objectif localisé. Éliminer tous les ennemis avant de continuer. Bien sûr. Tu vas tuer mon ami Ordure, tu vas crever. Tu les entends parler derrière. Non, mais... Ah, mais non! Voilà! Allez, c'est bon là! Ils sont où? Il est là! Mort! Il est où celui qui me tire? Dessus là! Là, il y a un dragon. On va se heal. Ah, c'est l'esquive que je voulais pas. Allez, dragon! Venez! Alerte! Méga bouclier de la garnison désactivé! C'est pas d'X pour plus. Allez, 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 allez! Tac, 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 tac! Voilà! Et en plus, ça va donner un niveau en plus! Alors, il est où lui? Il est là. Tac! C'est bon là? Ils sont où les méchants? Il est où l'autre? Allez. Les autres sont... C'est pas vrai! Méga bouclier activé. Voilà! Méga bouclier activé. Allez, donne-moi mes missions, que je puisse acheter au moins des améliorations, là. Là, c'est une mission de chasse. Allez. Allez, tue-toi. Voilà. Amélioration semi-automatique. C'est pas grave. Allez. Fraude aux assurances. Il faut aller où? Par là-bas. J'aurais pu prendre la voiture. De nouveaux accessoires, des quêtes des aventures. J'ai pas d'autre quête, j'ai pas d'autre quête, on est bon. Et après on va faire... $9. Et après je fais la quête principale, ce sera parfait. Et je peux acheter au moins les deux améliorations. Ce qu'il faudrait, c'est l'amélioration laser pour le Phasertron. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire?
Voilà, rejoignez, équipez-vous. Il faut tuer qui? Trouver et tuer le soldat Oméga d'élite. Je pense que c'est détruit. C'est pas lui le soldat d'élite? Non. J'ai plus d'armes moi. Bah ouais, mais j'ai plus de munitions, Michel, comment je fais? Donc le tueur d'élite, c'est pas... C'est celui avec le sniper au fond, d'accord. Recharge tes amis. Merci. Alors, tuer le sniper. Soldat d'élite Omega. À la grenade. Allez, on va le tuer ou pas? Oh, il y a une caisse, j'ai pas vu. Allez. Non, attendez, la quête elle est loin ou pas? Ouais, la quête elle est loin. Delta plane, garnison. Hop, petite épée en garnison, c'est parti. Et du coup, je peux acheter mes améliorations. Allez. Oh, oui, déjà. Oui, tu vas me remplacer ça déjà. Canon léger, c'est des blocs après, voilà. Les munitions laser se débloquent après avoir tué 9 types d'animaux. 9 types d'animaux, d'accord. Chargeur amélioré. Ah, il faut. Ah oui, c'est vrai, ouais, pour les avoir, il faut les télé. Ah, c'est le. 18 télé, 12 types d'animaux. Et toi? D'accord. En fait, je suis bête. J'aurais pu le faire tout de suite. Tuer 9 types d'animaux. C'est parti. Tuons les animaux. C'est où les cochons? Voilà. Ensuite, cochon émeut, il faut buffle. Pas ici. Les émeuts, je les ai déjà fait. Les buffles, je les ai pas fait. Allez. Panthère, je l'ai... Est-ce que ça compte la panthère? Les caisses. Oui. Il est où le dossier? Il est là le dossier.
Pour sortir, c'est par là. Les zombies m'embêtaient pas. Toi, c'est fait. Le dragon, il va m'embêter. Mais je l'ai déjà tué, le dragon, donc normalement, c'est bon. Allez, voilà pour voir. Allez. Où est-ce qu'ils sont, les buffles? C'est ça, là, je suis dans le coin des buffles. Animaux tués, 9 sur 12, c'est parfait. Et du coup, je peux acheter mes améliorations. Munitions laser. Je pensais que j'allais le tuer, tiens. Paf. On va se miner un petit peu. Prenez des sous, les munitions. Et on va aller sur celui là-bas. Ça, ce sera fait. Tout de suite. Et si on les tue discrètement, c'est encore mieux. C'est bien un nouveau niveau. Donc puis je donnerai plus au PC, mais c'est bon. Nouveau niveau, et il faut juste que je détruise l'alarme qui est en haut et ceux du bateau. Bon, plus du bateau, il ne vaut même pas. C'est parfait. Allez, vous êtes tous les mecs. Où les mecs du bateau là? On est encore avec du bateau. Voilà. Hop. Acheter les munitions laser, comme ça je fais énormément de dégâts. Et c'est parfait. Et en plus il y a une quête. C'est doublement parfait. Munitions, armes, phaser tronc, 3500. C'est parfait, il me faut que ça. Stabilisateur de visée. Bien. Pêche à l'otage, il est où? Par là, bateau. Allez, hop. J'ai complètement zappé qu'ils ont pouvait regarder les...
Et un flammeur en plus. Protégez l'otage avant qu'il se fasse déchiqueter. Ou juste descendre. Ah! Les deux flammes. Ah, ah, ils ont une portée de malade. Voilà. Otage libéré, messieurs dames. Ah, c'est civil. Je peux vous parler. Ah, oui. Le génie scientifique triomphe encore. Grâce à vous, bien sûr. Voilà. Ah. Du coup, ça m'a donné. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Hop, je suis où? Ah bah, allez, go. À la quête. Invoquer le fléau. Faut pas les embêter, ça sert à rien. Stabilisateur, ça c'est cool. Comme dans Apex. Mince. Bon, moi j'ai ma vie. Mes munitions laser, je vais faire le plus de dégâts possible. Doc, je crois que je suis prêt. Qu'est-ce que vous savez sur l'endroit? Il ne s'ouvre qu'à ceux qui en sont dignes. Il a une propriété remarquable. Non. Le sang de dragon est surchargé à l'intérieur, ce qui m'amène à croire que c'est le point central d'une ley line, si vous croyez aux théories de Lockyer sur l'alignement des solstices. Et il génère par conséquent beaucoup d'énergie. Faites attention, Rex. L'endroit pue. La mort. Quel genre de mort? Du genre dangereuse, Rex. C'est des morts non dangereuses. Testez votre puissance. Oh la vache. De quitter le monde ouvert, vous ne pourrez pas accéder à l'île aux aventures avant d'avoir voté le dernier de Sloane, dernière chance. Ah bah oui, ah oui, c'est déjà la fin en fait. Ah, carrément. Ah bah let's go, allez, vas-y, en fait, non, moi qui pensais qu'on allait devoir faire plus de 2 streams, mais non, en fait, l'histoire principale, c'est bon. C'est vrai qu'après c'est un standolo. Qui parviendront à survivre au labyrinthe de sang. Ah oui, ça, voilà ça. Alors ça, surtout. Mais mon équipement. Aucune idée. Préparez-vous au combat. Oui, c'est vrai, on va devoir. On va récupérer le shuriken laser. Bon, allez, j'aimerais bien courir, s'il vous plaît. Ah, non, c'est pas ce que je vais faire. Merci. Allez. Maintenant, on va tuer des mecs. Mort filant, en recul. Excellent, Michel. Visez les morts filants à la tête. Allô, j'ai déjà tué avant. Massacré. Oui, c'est vrai, on a une mission à finir. C'est embêtant, c'est que leur corps il bouge pas. Après, Mais c'est vrai, mais j'ai deux fermes normalement. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Allez, go. Voilà. Mais techniquement, je suis pas du tout. Il leur fait mal tout seul. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, j'étais bloqué cette compétence.
Ah oui, c'est vrai, il y avait plusieurs manches. Mais tout cela n'était que le début. Préparez-vous. J'ai localisé une sortie. Wow. Ça explose de partout. J'ai repéré une nouvelle arme. Ah. Avec là, on va rigoler. Vous croyez que la récompense sera à vous? Les morts ont également le mot à dire. Ah mais oui, mais en fait, c'est toutes les armes améliorées en fait. Allez, c'est parti. C'est pas la première fois que je tue des ennemis. J'espère que c'est pas la dernière. C'est vrai que je peux faire le double coup maintenant. Non. Mais merde, je vois rien. D'autres ennemis arrivent. Il y a une promo sur les Maccabées ou quoi? On va pouvoir se lier un peu. Oh, attention, ça va craquer. Là, je vais faire pareil. Mais... C'est qui se trappe en plus, les salauds. Allez. Mais il touche en plus. Je peux faire des éliminations quoi. Allez. Alors, moi j'ai pu sortir. Je charge ma vie. Allez, hop. J'ai dû prendre des médikits. C'est là, parce que attention, le feu se propage. Et où le dernier? Voilà. Si je vais monter. Donne-moi mon flingue avec des lasers. Oh, une tortue. Ah oui, c'est bon. Oui. Oh. Alors là. Inclinez-vous devant la puissance des morts vivants. J'aurais dû prendre l'amélioration semi-automatique. Déjà, les balles explosives, ça fait du bien. Vous avez survécu jusque-là, mais vous n'arriverez jamais au bout. Allez, les balles explosives, elles font le taf. Hein. Le machine gun. Oui, à moi. Oh, le machine gun en arme. Amenez-vous.
vertueuse. Ça, les tapieuses, c'est la meilleure. Voilà. Et maintenant, récupération de l'étoile tueuse. Par le pouvoir du crâne ancestral. Doc, j'ai l'étoile tueuse. C'est l'heure de la sieste pour Sloan. Et j'ai bien l'intention de le border sous 2 mètres de terre. Oh, ouais. Alors voilà l'étoile tueuse. Attendez, c'est pas fini. Je me sens déjà tout bizarre. Inquiétude. Température corporelle élevée détectée. Bordel de merde! Je crame! Votre corps n'est pas habitué à autant d'énergie. On doit apprendre à vos systèmes nerveux et musculaires à canaliser l'étoile tueuse. Spider. C'est plutôt lui qui aurait dû s'en équiper. Si vous ne pouvez pas le faire avec lui, Rex, faites-le pour lui. Ouais, je vais remettre les pendules à l'heure. Pour Spider ? Non, pour l'humanité. Waouh ! Rien de mieux qu'un entraînement... C'est n'importe quoi. Alors que techniquement c'est un cyborg, donc ils ont juste à lui mettre 3 batteries vides de derrière le derrière et il va récupérer l'excédent d'énergie. Oh. Oh. Pourquoi il se muscle la masse, ça sert à rien. Genre 595 pompes. Tout ça pour savoir viser avec une étoile. Rex, vous avez fait beaucoup de chemin, mais quelque chose me dit que vous vous retenez encore. Vous en faites pas, Doc. Ça se reproduira plus. Eh, bon, que chez vous, Oh non! J'avais oublié cette scène! Dans votre cyber-amour! Cyber-amour, oh mon dieu! Mmh. Oh, ce niveau de bouffe! Oh. C'est un jeu, Twitch, c'est un jeu, hein! Au revoir à tout! Mais oui. Pourquoi? Non, oui. Pourquoi Ubisoft? Non. Pourquoi? Rex, je n'aurais jamais pensé qu'un cybercommando puisse être aussi doux. Je sais. Mes organes, mes os, mon sang sont synthétiques à 80%. Tout sauf ce qui... 100%. En tout cas, pour le plus important. Oh Rex, c'est vraiment fini. Non, pas avant la mort de Sloan, Elisabeth. Il a prévu d'envoyer ses roquettes sur chaque continent de la planète. Elle va l'arrêter, mais de coucher avec elle. Rex, la nouvelle charge contaminera le monde entier. Les hommes deviendront des sauvages préhistoriques. La société s'effondrera. Ce sera un nouvel âge de pierre. Et ce qui en résultera n'aura plus rien. Et ce qui donnera Far Cry Primal. Il s'imagine faire une faveur à tout le monde. Mais moi aussi. En le tuant le premier. Vous m'avez déjà sauvé, Rex. Ma oui, mère. Allez, va sauver le monde. Et encore, vous avez pas vu le pire. Enfin, le pire. Le meilleur, pour dire. Parce que ça, je m'en souviens très bien de ce qui est du passage auquel vous allez adorer. Elle s'est fait enlever. Non. Il n'y a rien entendu. Alerte. Nouveau paramètre activé. Attendez la mise à jour des objectifs. Quoi ? Rex, c'est moi, Elisabeth. Elisabeth. Si vous entendez ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Rex, avant de vous rencontrer, je pensais ne jamais pouvoir aimer un homme. Oh mon dieu. Je sais que vous ne vous considérez pas comme humain,
Mais vous avez quelque chose en vous de bien plus précieux que votre hardware militaire à $1 milliard. $1 milliard. Cellule énergétique à étranger. Eh ben. Vous avez une âme humaine en vous, partout où vous allez. Et vous avez mon amour. Hey, il va mettre son bandeau à la Cobra Kai, là. Maintenant, le bunker de sécurité à l'intérieur du complexe. Allez l'arrêter. Objectif. Pénétrer dans le complexe d'Anko et entrer dans le bunker haute sécurité. Et Rex, ne le faites pas pour moi. Faites-le pour la paix dans le monde. America! Fuck yeah! Alors, les possédés étoiles curieuses, une arme mystérieuse alimentée par votre force vitale. Elle utilise votre santé pour changer ses pouvoirs destructeurs. Du coup, bah... Rex. Non mais bien, mon frère. Je crois en vous, Rex. Maintenant, à votre tour de croire. 8000 d'XP, c'est pas mal, ça. Il est l'heure de faire du bruit. Ah bah c'est bien, ça me donne une barre de santé en plus. Voilà. Je vais faire ça. Voilà. Tac tac. Directive. Tout le monde. Comme si t'avais besoin de préciser. Tuer. Ok. Alors, on va sortir par là. Je suis chaud. Moi aussi. Du coup, voilà. L'arme one shot tout le monde. C'est du n'importe quoi. Juste de pas prendre de dégâts. Ça, c'est du bruit. Et comme je régène ma vie à chaque fois, bah. Toutou. Oh non, un dragon! Ça me régène, du coup. C'est bon. Où est-ce qu'il est, méchant? Ouf. Je vais sponsoriser par Michael Bay. Juste ce mec là, hop. J'ai tué quelqu'un en TNT. J'ai de la main gauche en plus. Et voilà. You. Hop. Je savais que tu réussirais. Deuxième élément. Moi en toi qu'une simple programmation. Et nous partageons le même sang bleu, Victor. Bon, Sloan. Mon sang est rouge, blanc et bleu. America. Je me suis explosé tout seul. Oui, chaud. Non, là, c'est vrai, je vais y attendre. Je vais donner du souffle. Du coup, j'ai des millimètres. Lumière.
c'est là, ça me permet de finir avec plein d'XP. Et on se soigne. Et on récupère des nanos. Alors, il faut être par là. Voilà, par contre... C'est parti en claquant. Je vous montre tous. Ah oui, c'est vrai, pour aller, on va prendre l'escalier. Allez, monte plus vite. Est-ce que vous êtes prêts? La main gauche. À cet endroit. Niveau élevé de radiation biologique détecté. Je suis shot tous, c'est tellement. Allons, Rex, j'essaie de construire un monde meilleur. Plus de pitié pour les faibles, plus de politiciens, plus d'avocats et plus de serratures de démocrates. Oui, car les démocrates, c'est le mal. Allez. Voilà le meilleur passage de tout le jeu, messieurs dames. Voici. Je suis le dragon d'assaut blindé de combat. Voilà. Votre étoile tueuse contrôle ma cage cérébrale et me donne l'instruction de n'obéir qu'à vous. Salut. Je suis équipé d'un canon terreur 4000 à alimentation hydraulique et d'une plaque de blindage en titane. J'aurais dû aller chercher une bière, je crois. Je crois que je vais aller faire un petit tour avec toi. Voilà, nous allons aller sur un dragon qui va tirer des lasers. Voilà, voilà ce que... voilà la meilleure arme du jeu. C'est pour toi, Spider. Voilà. Et je ne contrôlerai pas. De mémoire, je contrôle pas le dragon. Je dois vous détruire. Vous êtes tiré dessus. Voilà, le jeu c'est juste là, ce passage là, c'est juste ça. C'est juste tu tires sur tout ce qui bouge, t'exploses tout. Je suis capable de tirer des lasers avec mes putains de yeux. Voilà, également. Merci les particules. Ça explose de partout. Souvenez-vous du premier niveau. Hein. Appréciez-vous votre promenade. Oh, c'est une très bonne promenade. 9 sur 10. Je crois qu'on va se battre contre un kraken. Enfin, on a déjà eu un kraken. C'est amusant et triste. Belle partie de gameplay. Il suffit juste de maintenir le clic gauche. Il y a un dragon en face. Bougez pas, ça va pas durer longtemps. Assez du bruit. Le génocide est divertissant. Thank you.
directement au dragon, détruisant le... On peut voir Sloane qui est là-bas. Les missiles qui sont lancés. Oh, ah, c'est très joli. Passez une bonne journée. J'avais plus qu'il fallait que je les détruise. J'avais plus que je pouvais les détruire. Voilà. Donc voilà Sloane. Pile poil, il a réussi à le tuer. Bienvenue, monsieur le tueur. Sloane, la seule personne que j'ai envie de tuer, c'est vous. Son bandeau, là. Et puis après, la retraite en banlieue, la pelouse à tondre le samedi et les matchs de foot le dimanche. On se bloquait par la queue du dragon. La pelouse, c'est pas pour toi. Ton truc, c'est le sang. Vous êtes dingue! Je suis un dieu désormais! Pas juste un homme, pas juste une machine! Une combinaison parfaite des deux! Zeus. Un nouveau Zeus dominant. Ouais, enfin, Zeus, il est comme faire étamer la tronche par Kratos, sans lui ou pas. Mes cyberprêtres, totalement dévoués à mon service! Mais je crois que l'heure de la retraite a sonné pour vous, les types 4. Faut vous tromper, Sloane! Terriblement! Alerte, système compromis. Impossible de tuer Sloane. Je suis désolé, Rex. Quel gâchis! T'es devenu beaucoup trop tendre. Comme tous ces politiciens de Washington. Tu sais qu'ils négocient la paix avec les communistes? La paix, Rex. La paix. Pourquoi je ne peux pas vous tuer? Sale raclure pathétique. Tu n'es rien d'autre qu'un tas de fils et de programmes. Il ne restait rien de Rex Power Cult quand on t'a trouvé. Juste de l'ADN, sans âme. Non. Je suis bien plus qu'une machine. Mes expériences, mon enfance. Non. Je t'ai programmé. Je t'ai fait. Je suis ton père. Non. Merci à RF Star Wars. Peut-être que vous transformez en machine vous a sauvé la vie. Mais ça n'a jamais changé ce qui compte le plus. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Non, mais bien, mon frère. C'est n'importe quoi. Vous êtes plus qu'un simple amas de fil et de lignes de code. Je crois en vous, Rex. Maintenant, à votre tour de croire en vous. Oh, son œil devient vert. Allumage des feux. Paf! Explosion, Michael Bay! Elisabeth! Rex! Vous avez tué le colonel Sloane! Ouais, on va pouvoir aller tomber la pelouse et boire des bières! Et maintenant, Rex? Ils vont venir ici et tout prendre. Vos recherches, les armes, le sang de dragon. C'est ce que vous voulez? Une armée de monstres? C'est ce que Sloane voulait, mais je suis pas lui. Tout péter. J'ai réactivé tous les pièges à sûreté intégrés des bunkers. Une seule pression, et tout disparaîtra dans les flammes. Vous nous avez sauvés, Rex. Cette fois, Doc, c'est plutôt vous qui m'avez sauvé. Non, Rex. Ah, je sauvé mutuellement. Wow, c'est beau. Par contre, à la fin, j'aurais pensé à un petit fuck à la fin. Petit peu d'honneur, là. C'est une méchante! Elle a des sorts de dragon. Non! Allez, un bon gros, to be continued. Et on n'en parle plus. On a compris, elle est violée, elle est méchante. Et voilà, c'est fini. On a fini l'histoire principale. Ça va pas durer longtemps. Hein. Du coup, générique. Donc voilà.
Eh ben, c'est... Ubisoft Montréal, ils ont fait du bon taf, et je pense que les mecs, quand ils ont développé le jeu, après c'est fait exprès, un petit jeu, hein, ils se sont dit, allez, vas-y, on va prendre tous les clichés, on va pas s'embêter, on va mettre tout ça dans le jeu, comme ça on est bon. C'est une petite équipe, hein, comme on voit, ils sont 5 designers. Oui, non, il y a quand même beaucoup de level designers. Ouais, la musique est pas mal. Alors, j'espère que ça va pas faire comme Borderlands 2, Borderlands avec le générique de 30 minutes. Et encore. Allez, pas 30 minutes, il y a un quart d'heure. Avec les missiles derrière. Bon, par contre, je fais pas le jeu à 100%, je vous le dis tout de suite. Allez, Jean-Michel Jarre. Il faudrait qu'ils mettent à moi un petit Jean-Michel Jarre dans la musique. Alors, le dieu. Eh bien, ils sont quand même pas mal. Bon, après, c'est sûr et certain que c'est la même personne de... Enfin, c'est sûr que c'est la même équipe de Far Cry, ils ont dit, allez, on fait un Far Cry Blue Dragon. Je sais même plus combien il était vendu à l'époque. C'est 2013 quand même, ça date, c'est quand même un bon 9 ans, là. Patrice Saint-Pierre, quand même. Ouais, quand même. Ah oui, ils vont mettre toutes les versions. J'espère que... Directeur de la VF. Je veux juste voir. Qui a fait la VF. Sachant que Jake n'aurait jamais pu faire ce jeu, parce que si vous avez bien regardé le passage quand on rentre dans le temple, on se fait agresser par un serpent, et Jake n'aime pas les serpents. Du coup, je me souviens encore la première fois j'avais joué au jeu, je lui en avais parlé, et en fait, je savais pas encore qu'il n'aimait pas les serpents. Du coup, je lui avais pas dit. Et quand il a fini le niveau, il m'a prévenu, il m'a fait... J'ai eu la peur de ma vie, t'aurais dû me dire qu'il y avait un serpent. J'ai fait, mais je savais pas, Jake. Parce que le serpent, on est obligé de se le prendre, on peut pas, vu qu'on peut pas taper, on peut pas le tuer, donc on est obligé de se le prendre. Et quand tu sais pas, bah ça fait peur, surtout en plus si t'aimes pas. Ça c'est du français, ça. Les français. Sophie Côté, Richard Côté. Alors, est-ce qu'on a les voix françaises? Non, c'est pas les voix françaises, ça. Studio Police, ouais, c'est Los Angeles. Game On Audio de Montréal. La marque rose. La marque rose, c'est pas
C'est pas eux, c'est pas ceux qu'ils ont fait. Il faut que... Gilbert Lévy, ça me dit quelque chose. Martial Leminou, bah oui, ça on connaît. Mais la marque Rose, c'est pas. Je crois que c'est ceux qui font les voix de Overwatch. Si je dis pas de bêtises, c'est le même studio qui a fait les voix d'Overwatch. C'est un très bon studio. Je crois que c'est. De mémoire, c'est ça. Ils avaient posté une vidéo en plus. Des coulisses. Ah, la musique s'en va. Ah non, on revient en puissance. Oui, c'est vrai, le jeu, il en fait en énorme ambiance. Oh, désolé. Il n'y a qu'un seul testeur par pays? Ah oui, quand même. Oui, non, oui, c'est les testeurs des langues. Oui, non, on peut dire. La team des explosions, franchement. Sur le jeu quand même. Un petit jeu quand même, on dirait pas. Puis quoi, il dure quoi 3. Alors on a déjà fait 2 heures. Allez, à 100%, il doit durer 6-7 heures. Ah, vache. Ça m'endort, et la musique elle m'endort. C'est horrible. Les programmeurs pour ça. La vache, ils sont beaucoup chez Rendez-vous Team. Mais il y a combien d'équipes qui ont bossé sur le jeu? C'est pas possible. L'école police, ah non, j'allais dire, c'est les crédits juridiques, ah, Uplay, attention, on est bientôt sur la fin, je pense. Et en fait, c'est un générique qui passe en boucle.
Youplay. Il porte bien son nom, lui. Franchement, la musique, c'est du... C'est... Vous prenez la musique de Deus Ex, qui est un jeu des années 2000, si je dis pas de bêtises, ou même avant 2000. Prenez Deus Ex, vous allez les chercher, vous trouverez. C'est littéralement les mêmes musiques. Ça, on voit que c'est vraiment le monde futuriste vu par les années 2000. C'est... Non plus que la voix grave de Alex Denton et puis c'est bon. Les finances, attention. Pourquoi ils mettent les directeurs de tout? Et ben après, il va falloir faire un développeur pour les crédits. Ah, Yves Guillemot. Qui n'est plus là. Bon, il a quitté son poste. On va bientôt passer plus de temps sur les crédits que sur le jeu. Et maintenant, on se dit, on peut dire, ceux qui ils doivent passer les crédits, ils ont de la chance. Certes, c'est pour montrer qu'ils ont bien fait leur taf, mais non, il est déjà. Oh, c'est horrible. Pardon. Alors, me dis pas qu'on retourne sur les Ubisoft.
Ah. J'ai bientôt sur la fin, spécial 5, non, non. Oh oui, les musiques sous licence. Du coup, ce qui veut dire que sur toute, sur quasiment toute la VOD que vous récupérez, vous verrez sur YouTube, on va se taper 50 réclamations parce que toutes les musiques vont être strike. J'espère que ça va pas être strike sur le Twitch. Oh oui, Adobe Flash. Oh la vache. Avec Bing Video. Voilà, vous pouvez voir que comment c'est vieux ce jeu. Hein. 2013, hein, n'oubliez pas. Adobe Flash, RIP. Oh la vache, c'est fini. C'est fini. Oui. Allez, on recommence. Voilà, les nouvelles quêtes sont les quêtes qui ne sont pas anciennes. Eh, bien joué Michel. Retourner sur l'île pour le massacre. On va faire 8. Et du coup, on a récupéré la... On a gardé l'étoile. Voilà, jouer heureux tout du long. La mission, c'est de finir le jeu complet. Donc voilà, étoile tueuse. Elle est équipée. C'est parfait. Je peux pas améliorer, je peux pas améliorer, je peux pas améliorer. Donc voilà. Le cobacron, on est bon. Du coup, consommable, on a gagné une nouvelle une carte pour le sud-ouest. Voilà. On est quel level ? On est level 24, donc on a quand même pas mal monté, hein, level. Level 24, une barre de santé, des dégâts, 26, 8 dégâts d'animaux, volume pistolet de cible, machin chose. On regarde la carte. On voit, vous voyez, toutes les télés à faire, le jeu à 100%, on a encore tout ça à faire. Que je ne ferai pas, puisque je l'ai déjà fait. Si je fais retour au menu principal, je vais vous montrer. Campagne, charger la partie. Alors attendez. Si je fais continuer. Ah mais ouais, mais du coup il va continuer ma partie actuelle, il va pas continuer l'ancienne. Donc il faut que je recharge une partie. Alors retour au menu principal. Donc charger la partie, donc 2019, donc, ça c'est le 23-25, donc on va prendre la partie de 2019, donc ça fait comme c'est 2019 et 2016, hein, n'oubliez pas. Et normalement de mémoire j'ai pas tout débloqué. Si, voilà. Donc voilà, j'ai tout débloqué. Quand vous avez tout débloqué, vous avez ça. Et je crois que c'était... Oui, voilà. Ici. Alors, les armes de mémoire. Voilà, donc je suis niveau 30, un niveau max. Donc voilà, l'étoile tueuse, le terror 4000. Je n'avais pas pris toutes les améliorations. Shame on me. Ah oui, c'est vrai, double canon. Le pistolet, le chargeur max, visée laser. Et moi je voulais le phaser tronc. Parce que j'avais pas pris celui-là. J'ai pas assez de mission. C'est pas grave. Où est-ce qu'il est le dragon? Le dragon, il est là-bas. Allez, meurs. Voilà. Bon, j'ai quand même failli mourir. Hein. Et 5000 XP. Hein. Bon, après, ça me sert un peu à rien maintenant, vu que. Hop. J'ai quasiment rien comme munitions. Mais voilà, quand vous avez fini le jeu,
Voilà, il n'y a, a plus d'ennemis, les dragons, il reste que les dragons et les bêtes. Les balles explosives du fusil, ça fait toujours plaisir, hein, n'oublions pas. Et voilà, mes amis les scientifiques. Paf! De mémoire, je cours plus vite. Je crois que c'est ça. Je s'explose. Mais sérieusement. Oui, regardez. Regardez-moi le petit coquin là-bas. Oui, niveau visée, il n'y a pas photo. Hein. Je tremble plus, c'est tout beau. C'est le niveau 30. On va du coup s'arrêter là. Je suis juste. Oui. Et voilà. Hop. Tac et tac et tac. Et du coup. Alors, là, j'ai de me taper une grosse frayeur. Je pensais que je vous avais pas montré le jeu, mais si. Puis tout à l'heure, je suis sur le retour du stream. Alors, notre cher. Tac. Notre cher petit jeu. Donc, bah, voilà, c'était Far Cry Blood Dragon. Donc Far Cry 3 Blood Dragon, un jeu de 2013 quand même, un petit jeu standalone, hein, ça c'est sûr et certain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre Vincent Studio sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Venez nous rejoindre sur Discord, nous suivre sur la chaîne ou vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'était Draken, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Cordialement, bisous.